Et à 8h44, Bernard, c'est l'heure de rire. Bien sûr, avec Tanguy Pastureau. RTL Matin. Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, contre toute attente, le monde du livre se porte bien. Oui, avant, quand on faisait des erreurs, on allait se confesser et seul monsieur le curé savait que le postier oblitérait la boulangère dans la salle de tri du courrier. Mais les hommes d'église n'ont plus le temps, ils sont occupés à regarder des pochettes de vieux 45 tours des Poppies afin de bien vérifier que ça ne suscite en eux aucun désir. Les pêcheurs se retrouvent donc seuls, telle Christine Boutin dans une boîte de Zouk Love, et écrivent des bouquins pour se nettoyer. Sarkozy l'a fait en s'excusant pour son quinquennat, Copé l'a fait en s'excusant pour son existence, Ségolène Royal n'en a pas écrit parce qu'elle n'a rien trouvé à se reprocher. Et Thomas Thévenoud, ancien secrétaire d'État atteint de phobie administrative, s'y passe juste un orteil à l'intérieur d'une préfecture, il décède, a aussi écrit un livre. Il y parle de la terreur qu'il a saisie le jour où il a reçu une facture SFR de 37,20€. Pour lui, c'était comme de se retrouver chez Eram pour Yannick Noah. Il était allé jusqu'à lâcher son chien, fraude fiscale, sur le facteur qu'il accusait de remplir sa boîte de relevé de compte de la banque postale. S'il fait fort boyard, ils vont virer les tarentules et l'enfermer dans une cage avec des avis de paiement de la taxe d'habitation. Il hurlera. Alors, on le pensait guéri grâce à son livre, oui. Mais mercredi, on apprenait que Thévenoud n'a pas réglé la cantine pour ses filles depuis 2011. Hein, il a moins dépensé ces 10 dernières années que Clo-Clo, qui est mort en 78. 10 ans qu'il n'a payé ni les impôts, ni le kiné, ni son loyer, ni EDF. Il doit même pas savoir qu'on est passé à l'euro. Autre livre rédemption, en quelque sorte, celui de la jeune Nabila. Alors celui-là, il sort jeudi. Oui, alors il commence par les mots « Je suis Nabila, voici le résumé de ma carrière. » Il y a 3 pages blanches, puis le mot fin. Le livre s'appelle « Trop vite » et ne parle donc pas de son activité neuronale, mais de sa célébrité fulgurante. Hein, pour être aussi connu que Nabila, j'ai calculé, Hervé Mariton devrait vivre 1400 ans. Alors dans son bouquin, elle se livre explique son parcours de cuisinière hein, qui s'est achevé quand elle a confondu le gigot avec son copain et l'a débité au couteau aztèque. Elle se demandait ce que l'autre faisait dans un plat entouré de pommes de terre. Demain, elle sera sur TF1 dans 7 à 8. Pour l'occasion, elle a appris les chiffres. Et ils ont mis en ligne un extrait où Nabila déclare, je cite, « La notoriété, je me sens pas usurpatrice, car c'est quelque chose que j'ai voulu et que j'ai travaillé pour. » Alors, ça paraît confus, mais si vous remettez les mots dans l'ordre, ça a un sens. Hein, c'est la seule à s'exprimer comme dans le jeu Harry sur France 3. Alors on se moque, mais mine de rien, c'est déjà le deuxième livre de Nabila. Hein, elle a écrit plus de bouquins qu'elle n'en a lu. Thévenoud, Nabila, les libraires sont les seuls cabinets de psychanalyse d'où c'est le patient qui repart avec le brosouf. Sauf pour Thévenoud, bien sûr, hein, puisque sa phobie va l'empêcher d'encaisser son chèque de droit d'auteur. Absolument, forcément, c'est mécanique. Merci beaucoup, Tanguy Pastureau. A tout à l'heure, sans doute pour toute autre chose, mais je l'ignore encore.